Les festivals sont des moments périodiques de rencontres entre artistes en vue de la présentation de leurs œuvres, mais aussi d'échanges avec d'autres artistes, formateurs et personnes ressources. Médard Mbongo, directeur du Festival international des musiques et des arts, FIMA en sigle, et Geoffrey Balende, animateur culturel, évoquent la portée des festivals pour la carrière des artistes. Pendant les festivals, vous avez la visibilité, vous avez des contacts, vous vous vendez aussi. Parce que c'est pendant ces événements-là que vous rencontrez, par exemple, les professionnels. Vous pouvez aussi avoir les rendez-vous à travers un festival. On vous invite aussi ailleurs pour aller jouer. Le festival peut avoir un côté compétitif ou alors un côté simplement festif, mais qui vous permet de vous produire, d'être vu et d'être apprécié du grand public. Au-delà de la dimension festive des festivals, il y a aussi la dimension scientifique, entendu les formations souvent redoutées par les artistes congolais. Il faut qu'ils aiment la formation, il faut qu'ils se forment. Le festival forme, il faut qu'ils participent au festival, qu'ils se forment. Mais ce que nous avons comme problème, c'est que les artistes préfèrent les spectacles que la formation. Aujourd'hui là, artistes sans formation ne représentent rien. C'est pendant les formations là qu'on apprend beaucoup de choses. La majorité des festivals que nous avons organisés ici, nous constatons que lorsqu'on programme les formations, ben les artistes ne viennent pas, surtout les nôtres. Lorsque c'est un festival international, à l'instar du FIEF que nous organisons pratiquement toutes les années, eh ben, nous avons remarqué que ceux qui participent aux formations, ce sont des artistes venus de l'étranger qui accordent l'importance à la formation. Or, la formation, c'est quoi? C'est le lieu d'échange. Vous avez presté, généralement, lorsque vous descendez de la scène, personne ne vous dit que ça a été une piètre prestation. Tout le monde apprécie, mais il y a des erreurs qu'en coulisses, on peut noter. Et souvent, lorsqu'il y a formation, vous décelez vous-même les manquements de ce que vous avez dans votre carrière, dans votre prestation, qu'est-ce que vous ne faisiez pas avant, qu'est-ce qu'il faut faire. Les festivals sont pour les artistes des sources de visibilité, de contacts, d'échanges et de renforcement des capacités.